Je suis Chantal Moinet, je suis pharmacien, je suis assistante assurance qualité produit pour un laboratoire pharmaceutique. En tant qu'assistante assurance qualité produit, je m'assure que les médicaments sont correctement fabriqués, tels que le demandent les bonnes pratiques de fabrication pour les mettre sur le marché. Oui, allô Mathieu? Bonjour, je viens de croiser Sylvie là et en fait j'aurais besoin de libérer le lot 374 cet après-midi. Je voudrais savoir si tu pouvais me donner les dossiers correspondants. Pour être assistant assurance qualité produit, majoritairement nous sommes pharmaciens, mais on peut également avoir une formation universitaire avec une spécialité en chimie ou en biologie. La seule différence, c'est que lorsqu'on a une formation non pharmacien, on ne peut pas aller jusqu'à la libération du lot de médicaments, car en France, seuls les pharmaciens peuvent libérer les lots. Et donc j'engage mon diplôme à chaque libération de lot d'un médicament. Notre base de travail, c'est le dossier de lot qui permet de tracer tous les événements de la fabrication d'un médicament. Dans un dossier de lot, on va pouvoir retrouver les matières premières qui entrent dans la composition du médicament. On va également retrouver qui a pesé les matières premières, quelles quantités ont été pesées. Dans la partie fabrication, on va avoir l'ordre chronologique d'introduction de chacune des matières premières, qui a participé à la fabrication. Ensuite, le produit va être conditionné. De la même façon, on va avoir le numéro de lot des étiquettes qui va permettre d'identifier le médicament, les caisses qui vont également contenir le médicament. Et donc toute cette chaîne de fabrication est consignée dans un dossier de lot que nous avons la responsabilité d'évaluer. Bonjour, ça va bien ? De manière quotidienne, on a une réunion avec la production sur les problèmes qui ont pu intervenir. Sinon, nous avons plusieurs autres missions qui sont la validation des fabrications, la gestion des réclamations clients. À demain, pour la prochaine réunion. Bonjour Arnaud. On essaie de pas se placer en tant que gendarme ou contrôleur, mais vraiment en tant qu'aide, support à la production, de façon à pouvoir trouver des compromis, à essayer de trouver des solutions ensemble. Donc en fait, il faudrait rajouter une observation dans le dossier pour préciser ce point-là. Les qualités nécessaires pour un assistant assurance qualité produit, c'est tout d'abord la rigueur, car lorsqu'on évalue un lot, on libère un lot, on engage notre responsabilité. Ensuite, on doit être autonome de façon à pouvoir prendre des décisions de manière réactive. Il faut avoir un sens relationnel de façon à pouvoir aborder aussi bien un responsable d'atelier production qu'un opérateur, notamment lorsque l'on fait des investigations. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité, c'est la possibilité d'être en contact avec différents secteurs d'activité dans l'industrie pharmaceutique. On a aussi bien des contacts avec les affaires réglementaires, la production, le laboratoire de contrôle, le service nouveaux produits.